Bon, on est enfin à l'aéroport, posé, à attendre au même endroit pendant je sais pas combien de temps pour le check-in, qui est ce soir à 17h. Il est actuellement 11h46. Yes, on a faim. Elle est fatiguée. On a l'aéroport. Bref, on se retrouve au check-in, I think. Hey, là on est juste genre on a passé genre l'embarquement, enfin on n'a pas encore passé l'embarquement, genre on a passé genre le passage des cabines et tout, genre enfin vous voyez genre les valises qui passent, pas les valises, ça se voit, je suis encore fatiguée maintenant, mais en gros genre ouais on est, il nous manque plus qu'à embarquer et puis hop on décolle, grande aventure malgache qui va commencer, j'ai super hâte. Même si j'avoue que là, littéralement, je suis KO parce que bah, le réveil à 5h30, quoi, il a fait mal et j'ai pas trop dormi en fait de la journée, même si j'étais fatiguée. Enfin bref. Didi. Alors, que penses-tu de cette presque arrivée du un départ? Un peu trop de stress au niveau des trucs cabine. Voilà, tout ça, tout ça, tout. Voilà. Ok, donc là, escale, réunion, genre on est arrivé, on repart direct. Hello. Hello. Genre on va à Mada quoi. Genre là pour vraiment on va à Mada. Ouais, ouais ouais. Oh my god. Am I a child? Yes, I am. Premier repas, en ayant posé le pied sur le sol malgache. Du loquerie. La maman. Alors là, on
on est actuellement en train d'attendre. Parce que on a l'habitude d'attendre. Ah ouais, non, en gros, genre, là on attend pour prendre le bateau et aller à Grande Terre. Donc on passe, on est à Nocibé, donc une petite île à côté, et on va aller vraiment sur la grande île de Madère. Pour après, genre aller. pour aller chez nous. Ouais, là on arrive à Ankif, après on va à Mbaj. On va déposer nos valises là pour aller ensuite à Befotk, le village de notre grand-mère. On va aller au cimetière demain. Ouais, ça demain samedi. Ouais, demain. Et puis après, hop, on va continuer notre petit périple. Enfin là, en attendant, bah, on attend. Votre ressenti, madame? Très mitigé. C'est-à-dire? Par le voyage, par les personnes, telle est la question. Et cette aventure malgache continue, toujours dans le coffre du 4x4, parce qu'il n'y a pas trop de lumière sur moi. Merci. Je disais, toujours dans le coffre parce que y a pas de place en fait, il y a pas assez, genre on est trop. Là c'est un matelas qu'on avait acheté pour être bien. De l'autre côté là c'est Anna. Je sais pas si on voit bien. Mais c'est parti pour 6 heures de route. Il y a beaucoup trop de route, on se lève beaucoup trop tôt. La fatigue est très présente. Fighting à nous parce que vas-y dodo en fait. Hey, c'est bon, du coup on est enfin arrivé à Diego Suarez. C'était super long, genre on a mis je crois 8 heures alors que normalement je trouve ça un truc de 5-6 heures. Mais là on est enfin arrivé du coup dans la maison et tout. Petite piscine, j'aime beaucoup. Attends, hop là, vue sur le pain de sucre. Non, par là, comme ça. Oui, c'est bon, hop. Vue sur le pain de sucre, vraiment. Voilà, c'est bon. Enfin, ça a déjà commencé en tout cas, en vrai, les vacances, mais ouais, j'aime que ça continue. Et on a une piscine. Bref, voilà. C'est une vidéo. Et nous sommes actuellement devant le lycée français de Diego, l'école où Kélia ira pendant un an. Ouh là là ! C'est pas moi qui vais m'en occuper. Hein. Moi je touche pas les poules. Hein. Tant qu'elles sont pas dépecées et compagnie, c'est pas moi qui vais les grailler. Hein.
I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. I swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. I'm magical. The way I feel when you walk in the room. It's not optional. How gravity just pulls me back to you. To you. Mm-hmm. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you. With you. I feel so lucky I met you. I Là, on est sur la route, encore, parce que je pense que c'est la plupart des choses que vous allez voir dans ce vlog. On va à la plage, à Ramen, on va se baigner, encore. Et en gros, genre, avant d'aller vraiment sur la plage, on va avoir différentes baies, et genre ça va être trop bien. Et normalement, il y en a une où il y a des lémuriens, ça va être trop bien. À quoi de me dire ça, ouais. Universel. On va à la playa. Les débuts, quoi. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. I swear you must have fell from the sky. Actuellement à la baie des Sakalav. La baie des Sakalav. Nous on est quoi? Les descendants. Les descendants des guerrières Sakalav. Bref, il y a beaucoup de vent, mais c'est trop bien parce que les gens, du coup, ils font du kitesurf. Ah merde, on va voir tout le monde. Il y a plus de poissons dans l'eau. Nage. On met de poissons dans l'eau. Nage comme il faut. Et bon, ils vont finir dans l'acide. Dans l'acide. Bah oui, l'acide de l'estomac. Merci à vous, merci à tout le monde aussi. Le monsieur du poisson, il est venu aujourd'hui avec des beaux poissons. Ça n'a pas d'argent. À chaque fois, il dit, t'es pas là. Bah oui, mais c'est tous les deux jours, c'est pas tous les jours. Hein. Il est bien tard en plus. Oui, il est pas passé tard aujourd'hui. Juste que vous, j'étais parti tôt. 6. 6. Pas net. 6. Non, mais ça n'empêche pas de venir quand même. Bah moi c'était moi, je m'achèterais tous les jours du poisson. Ouais, oh, pareil. Elle fait rien quoi, moi on peut pas en manger à la recherche, c'est trop cher. Je crois qu'on va avoir marre de manger du poisson. Alors qu'on a dit qu'on était grave heureuse de manger du poisson. En plus, c'est grillé là. En gros, ma gueule. Ouais, il est fou. Ah, c'est la même chose, grillé frit. Mais alors pourquoi vous avez allumé le charbon? C'est pour qu'il y ait du feu. Moi, c'est vrai que si les grillés, c'était la même chose. C'est normal, t'es ma nièce. Je comprends. T'es une tes filles aussi. Dadi aussi, elle nous comprend. Elle ne dit pas, mais elle le dit. Moi, je vous comprends. Quoi? Ce midi, on mange un petit truc. Ce midi, il est 15h, mais c'est pas grave. On mange des quoi? Des crevettes sauce. Crevettes sauce. Crevettes sauce. Macamba sauce. Macamba sauce. Macamba sauce.
Donc là, vous voyez pas trop, mais en gros derrière, c'est des gens, ils, je crois ils se manifestent, mais en fait ils font un jogging. Et c'est trop stylé parce qu'ils avaient des t-shirts, c'était le drapeau. Bref, là vous voyez plus rien. Alors, de nouveau dans le coffre d'une voiture. Pas la même que l'autre fois, parce que l'autre fois c'était un pick-up. Ouais, mais on est reparti pour je sais pas combien d'heures de route. Parce que parce qu'on va encore dans un village paumé. Mais c'est pas grave, c'est le village paumé de Pépé. Et il est plus paumé que le premier. Ah oui, parce qu'en fait c'était pas un village. Village, c'était une petite ville quoi. Ouais. Là c'est vraiment un village quoi. Un village du bled. Genre on va se laver dans une rivière. Voilà. Ah là là. Allez, Abby. Tout va bien se passer. Poussière, c'est vague. Mm-hmm. Ah, il y a un badge. Après la voiture. C'est poussiéreux. Maintenant, on est à pied jusqu'à la rivière. Où la rivière, bah, on va la traverser à pied. Et toutes nos affaires, elles sont dans la charrette. C'est trop swag. Ça, là, faut le traverser à pied. Bon, c'est rien, on a vraiment pied. Thank you.